んじゃぞ。ははい。わしが元帥として格好つかんですけ。何が大海賊時代じゃ。2年前のあの日、終わるはずじゃった。わしら海軍が終わらせたはずじゃった。一人残らず沈めちゃる。2年前も今も変わりゃせんわ。これでも俺に敵はねえ。俺こそが最強だ。Est-ce que vous étiez là lorsque le monde avait changé d'air ? Est-ce que vous étiez là durant l'arc de Marineford ? Comme ce jour-là sur l'île de Banalo, la volonté du dit s'affronte à nouveau et elle risque de tout changer. Aujourd'hui, le monde entier retient son souffle, car une chose est sûre, à l'issue de ce combat, que ce soit Trafalgar dit Waterloo ou Marshall dit Teach, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et alors ? Plus rien ne sera comme avant. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero et voici Kitaro. On se retrouve pour l'analyse complète du chapitre 1064 de One Piece, mais aïeux, la suite directe, ça y est, comme on le disait. Le diptyque incroyable entre Law et Barbe Noire, et cette fois entre stratégie de combat et révélation sur le bon vieux Vegapunk, y a beaucoup à dire. Est-ce que vous vous rappeliez de la Pyroblowin ? Est-ce que vous saviez qu'Eiichiro Oda avait déjà dessiné Kuma âgé de 12 ans et qu'il avait rien d'un roi ? Au contraire, il était issu d'une famille très pauvre. Ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous raconter. On a rassemblé toutes les pièces du puzzle pour vous apporter la meilleure analyse possible. Du coup, pour vivre la meilleure expérience One Piece et surtout ne pas louper les prochains chapitres, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification car nous allons passer le palier légendaire des 700 000 abonnés. C'est juste une immense dinguerie. Regardez ! Regardez ! Et enfin, pour nous encourager dans le référencement, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus. Arigatona. Vous êtes prêts? La véritable histoire complètement folle de Kuma dit le tyran, la révélation tant attendue de Vegapunk le révolutionnaire, et la conclusion du combat entre Law et Barbe Noire, car que vous le vouliez ou non, à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Si vous rêvez de dormir sur les nuages moelleux de Skypiea, on a quelque chose pour vous. Regarder One Piece, c'est bien, mais bien regarder One Piece, c'est mieux. Parce que 1040 épisodes, ça commence à faire beaucoup. Installez-vous confortablement dans votre canapé ou dans votre lit, de jour comme de nuit, et profitez du meilleur confort possible grâce aux oreillers Wopilo. Vous aussi, rêvez de l'impossible grâce à des coussins fabriqués en France dans un des ateliers centenaires de Vegapunk situé en Bourgogne et labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Des oreillers et linge de lit tellement confortables qu'il pourrait guérir l'insomnie de Barbe Noire, c'est pour vous dire. En effet, parfait équilibre entre confort et soutien cervical, offrez-vous des oreillers mémoire de forme certifiés au Ecotex, au garnissage ajustable pour faire de vos rêves une réalité. Parce que la passion et les rêves sont comme le temps, privilégiez donc votre qualité de sommeil, car grâce à Wopilo, plus besoin d'avoir la tête dans les étoiles pour rêver. Alors, n'attendez plus et foncez en description pour profiter d'une réduction de 10% sur votre prochaine commande grâce au code WOPMONCORVO. Wopilo, parce que les rêves des hommes n'ont pas de fin. Parce qu'il ne peut y avoir de bonheur dans un monde où les indésirables sont jetés, une main fut tendue, celle de la Révolution, qui proposa à l'ancien roi de Sorbet de la rejoindre afin de faire tomber son bourreau. Ainsi, véritable indésirable, Bartholomew Kuma, harcelé par le gouvernement mondial toute sa vie,
fut recueilli par Moon Kiddy Dragon. Seulement, aujourd'hui, sa fille, Jewelry Bonnie, se questionne. Pourquoi est-ce que son père accepterait de devenir un rat de laboratoire, sachant qu'un jour, il deviendrait un cyborg dénué de toute conscience ? En d'autres termes, pourquoi est-ce que Bartholomew Kuma accepta d'aider ceux qui ont détruit sa vie ? Peut-être parce que tout était prévu et que tout serait le plan de l'armée révolutionnaire que Kuma accepta pour sauver sa fille et détruire le gouvernement mondial de l'intérieur. Issu d'une race différente, Kuma, roi de Sorbet, fut attaqué par le racisme institutionnalisé du gouvernement mondial qui décida, il y a environ 25 ans, de salir sa réputation. En effet, la race des hommes-poissons en étant la preuve, le gouvernement n'accueille en son sein que des êtres humains. Aucune autre race ne semble être acceptée au Conseil des Rois, jusqu'à la participation miracle de Neptune à la dernière rêverie. Alors comment cela se fait-il que Kuma fut roi de Sorbet si il est issu d'une race différente? Tout simplement, car il n'était pas censé le devenir. En effet, c'est en 2012, dans les SBS du tome 63, que le mangaka nous offrait la toute première apparence de Bartholomew Kuma en forme humaine. Un enfant lisant un livre aux habits déchirés et ramassant du bois. Rien ici n'indique une situation royale, bien au contraire. Kuma semble pauvre. Et se serait alors retrouvé sur le trône malgré lui. Et alors, à partir du dessin de Kuma enfant, nous avons fait nos recherches et nous pouvons lire sur son livre Ninokin, qui fait référence à l'histoire de Ninomiya Sontoku, dont voici une statue commémorative au Japon. Après ça, il ne fait aucun doute que l'auteur s'est inspiré de cet homme pour écrire le personnage de Kuma. Issu d'une pauvre famille paysanne, Ninomiya Sontoku perdit son père puis sa mère à 14 ans seulement. Ninomiya lisait et étudiait à chaque moment qu'il pouvait et parvint grâce à cela à relancer l'économie locale grâce au développement de l'agriculture et donc réussit à nourrir toute une région qui mourait de faim. Ayant entendu parler de cette réussite, le shogun du Japon en personne le plaça à la tête d'une terre de shogunat, ce qui est un des plus grands honneurs pour une personne de basse extraction. Similaire donc à celle de Ninomiya Sontoku, la vie de Bartholomew Kuma serait enfin expliquée. Grâce à ses connaissances, il réussit sans doute à sauver le pays de Sorbet, qui mourait de faim, et donc être reconnu par le peuple comme son sauveur et son roi. Mais comme Sorbet est l'un des 170 pays affilié à Marie-Joise, le gouvernement mondial ne toléra pas la présence de Kuma, car d'une race inconnue, le faisant ainsi passer pour un véritable tyran aux yeux de son peuple afin que les citoyens se soulèvent contre la monarchie et renversent le pouvoir. Ainsi, humiliés et chassés de leur propre maison, Kuma et Bonnie devinrent des parias, obligés de devenir pirates pour survivre jusqu'à rencontrer l'armée révolutionnaire dont le professeur Vegapunk fait désormais officiellement parti depuis ce 1064e chapitre. Kaizo no Shittoi, Dr. Vegapunk to no aida ni hitotsu dake nimmu o programu suru toyu yakusoku o shiteita rashii. Mugiwara no ichimi no dareka ga futatabi fune ni modotte kuru hi made kaizokusen o shishu seyo. Au courant du harcèlement dont Kuma était victime à cause de ses origines, Moon Kiddy Dragon avait enfin trouvé son cheval de Troie et mis en place le plan de toute une vie. Lorsque Kuma fut attrapé par la marine et condamné à perpétuité, Moon Kiddy Dragon demanda à son complice Vegapunk de le libérer de prison afin de le transformer en cyborg puis de le cloner en infiltrant dans son système un ordre secret. Autrement dit, Kuma n'avait plus que deux solutions. Soit mourir en prison, soit mourir en devenant un cobaye pour Vegapunk et ainsi faire tomber le gouvernement mondial de l'intérieur. Ainsi, pour s'entraîner et avant que Kuma n'abandonne complètement son humanité, le professeur Vegapunk fit un test en programmant dans ses circuits l'ordre de protéger le Thousand Sunny jusqu'au retour des Mugiwara sur sa Baoji. Un ordre qui fut respecté durant 2 ans. Preuve qu'il était temps de passer à l'étape supérieure. The time has come. Execute order 66. Yes, my lord.
Nous vous en parlons depuis plus de 5 ans, que ce soit via le processus de clonage du Germa ou plus récemment avec une arme capable de détruire une nation entière, jusqu'à une référence directe de sabre laser dans son 1064e chapitre, Eiichiro Oda, grand fan de la saga intergalactique de George Lucas, pourrait déclencher son ordre 66 à lui, et comme pour ceux de Star Wars, faire se rebeller ses clones via un ordre secret prononcé uniquement par Monkey D. Dragon à la mort de Vegapunk, expliquant pourquoi depuis 25 ans, le monde entier attend sa réponse. Kuma accepta ainsi le plan de Dragon et donc de devenir le jouet du gouvernement pour sauver sa fille et son royaume, tout en permettant à l'armée révolutionnaire d'infiltrer le gouvernement et le détruire de l'intérieur. Même après sa mort, Kuma aurait donc prévu depuis le départ de se rebeller contre ses bourreaux en intégrant dans le système des pacifistas de première et seconde génération, et donc les PX et même les Séraphins, un ordre secret consistant à inverser la reconnaissance faciale des pacifistas, et donc en protégeant cette fois-ci les pirates et en attaquant uniquement la marine et le gouvernement mondial sous ordre de Vegapunk. Bonnie apprendrait ainsi que le génie n'a fait que respecter les dernières volontés de son père, celle de protéger sa famille et son pays, en libérant sa fille capturée par Akainu après Marineford, en sauvant les Mugiwara et en protégeant le Thousand Sunny pendant 2 ans, en accomplissant le plan de la révolution et enfin en faisant tomber le gouvernement mondial qui a ruiné toute sa vie, comme précisé par les révolutionnaires au chapitre 908. Une vie de souffrance éparpillée sur 25 ans d'écriture. En effet, après avoir dessiné Kuma aux habits déchirés, ramassant du bois en 2012, Eiichiro Oda nous offrit 3 mois plus tard dans les SBS du tome 64, Jewelry Bonnie enfant, comme son père, aux habits déchirés et à la peau abîmée. 10 ans plus tard, c'est au chapitre 1062 que le mangaka nous présentait à nouveau le tyran en forme humaine, mais cette fois-ci adulte. Et comme lorsqu'il était enfant, nous pouvions remarquer des détails importants. Le souverain de Sorbet n'a de roi que le nom et est toujours habillé de haillons avec la peau abîmée. Humilié et chassé, le tyran et sa fille vivaient donc dans la pauvreté, ce qui expliquerait pourquoi Bonnie est aujourd'hui surnommée la gloutonne, parce que durant toute son enfance, elle ne put manger à sa faim, jusqu'à ce que son père se sacrifie. Ainsi, dévorer tout ce qu'elle trouve serait devenu un toc, une habitude pour honorer la mémoire de son père qui offrit sa vie, son corps et sa conscience pour que sa fille puisse manger à sa faim. Il est précisé au chapitre 951 que dans le monde utopique de Totland, 3 races manquent à l'appel. Les géants, car en froid avec Big Mom depuis l'incident d'Elbaf, les Lunariens, car tout simplement disparus à l'exception de King, et la dernière serait celle de Kuma, une race encore inconnue qui pourrait être celle disparue de Marshall D. Teach, expliquant son organisme différent comme sa capacité à manger 2 fruits du démon et surtout à ne pas avoir besoin de dormir. Ainsi, peut-être que l'arrivée surprise de Barbe Noire durant l'arc d'Egghead est là pour nous dire que nous allons apprendre son origine en même temps que celle de Kuma. D'autant plus qu'il est précisé que comme Kuma, Barbe Noire, avant d'être adopté, était un orphelin pauvre qui passait tout son temps et toutes ses nuits à lire pour s'instruire.世界ではカイロウ石という鉱物が存在するらしいのですが、カイロウ石？それが関係してるの？はい、それに含まれるパイロブロインという核質の粒子が火山によって空に運ばれ水分を得た時、 その 密度の差によって 海雲と島雲は形成されるのです。 C'était le 29 juillet 2002 au chapitre 240 que Pagaya, père de Konis, nous expliquait la création des îles célestes et de leurs nuages par le granit marin et sa particule de pyroblouine, qui, lors d'une éruption volcanique, s'échappe dans le ciel et sous forme de mélanine se charge d'eau permettant de durcir les nuages et donc de créer des îlots nimbus. En d'autres termes, c'est le granit marin qui, en s'évaporant après une éruption,
forment des îles célestes. Un processus naturel important que le professeur Vegapunk aura réussi à maîtriser pour créer la toute première île artificielle du manga. Un émouvant retour de 20 ans en arrière permettant au Mugiwara de découvrir ou redécouvrir les îlots Nimbus moelleux de Skypiea. Quant au Vegaforce 1, il est précisé qu'il est un robot anti-gravité et que donc il posséderait une technologie inspirée de la Lune et de la cité antique de Bilka. En effet, nous apprenons également que les ingénieurs d'Egghead Island sont tous des automates, exactement comme ceux de Bilka que le professeur Tsukimi, lui aussi originaire de Balgimoa, avait repris avant lui. Comme tous ses satellites, l'homme qui avait 500 ans d'avance sur l'humanité semble donc être de plus en plus connecté à la Lune. Mais le plus important est que, comme nous pouvons le constater, ce n'est pas seulement les Mugiwara qui se sont déplacés chez Vegapunk, mais bien le Sunny. Et qui se trouve sur son pont ? Oui oui, l'auteur tente de nous le faire oublier, mais moi, je ne t'oublie pas. Caribou, en plus d'avoir appris sur les armes antiques, Pluton et Poséidon, pourrait donc continuer à apprendre des secrets extrêmement importants dans le laboratoire du professeur Vegapunk. C'est historique, pour la toute première fois de One Piece en 25 ans, nous avons une page de couverture qui trouve sa conclusion dans le chapitre même. Oui, Aokiji était bien parti sur Totland pour trouver Pudding et l'offrir à Marshall D. Teach afin qu'il puisse, grâce à l'éveil de la tribu aux trois yeux, lire les poneglyphes. En 25 ans, alors que le prochain chapitre aurait pu nous présenter Pudding en page de couverture, nous l'avons directement dans ce chapitre. Et c'est une première après deux décennies d'écriture. C'est là qu'on voit quand même le travail sur le long terme des Shiroda vis-à-vis de ces chapitres, parce que rappelez-vous, l'aventure du Germa 66 a commencé dans le combat entre Luffy et Kaido, pour en arriver pile poil au moment où on voit un Aokiji, deux Pudding capturés, le tout dans le même chapitre. C'est quand même assez brillant. Et alors, il est fascinant de constater qu'Aokiji, Kuzan, est celui qui a permis à deux équipages aux antipodes l'un de l'autre, le jour, la nuit, de lire les poneglyphes. Si aujourd'hui les Mugiwara en Nico Robin avec eux, c'est parce que Kuzan les a épargnés à deux reprises. Et enfin, si Barbe Noire a aujourd'hui Pudding capable de lire les poneglyphes avec lui, c'est parce que Aokiji est allé la chercher. On dirait qu'il a fait hop là, c'est bon, tenez, maintenant battez-vous. Et ça nous fait poser des questions sur le véritable endgame d'Aokiji, quand même, ce personnage au fur et à mesure du manga qui devient très gris. Cette justice qui en a marre de la marine, qui va voir du côté des pirates, qui permet à l'un des équipages pirates les plus dangereux du monde de posséder peut-être le One Piece, de devenir le plus grand pirate de l'existence. Ça craint énormément. Alors est-ce que vraiment toujours c'est un infiltré? Est-ce qu'il fait partie des Sword? Est-ce qu'il a envie que Barbe Noire atteigne Laugh-Tale pour que la marine puisse savoir où se trouve Laugh-Tale? D'autant plus que si le quartier général de la marine est au courant de l'altercation entre Trafalgar Law et Marshall D. Teach, c'est peut-être parce que Aokiji a fait fuiter l'information. L'île a l'air d'être déserte, personne d'autre ne semble pouvoir avoir ce rôle, tous les commandants sont occupés à se battre, alors peut-être que Aokiji a tenu au courant la marine. Et c'est pourquoi Akainu est très frustré de ne pas y aller. Du coup, concernant Akainu, on apprend que depuis le départ, étant amiral en chef de la marine, il n'a pas d'autre choix que de se retenir. Littéralement, il est l'entité la plus puissante de la marine et sa force se rapproche dangereusement de celle d'un Yonko. Du coup, il est important de noter que Sakazuki, véritable chien rouge, aboie fort, très fort, parce qu'il peut tout simplement pas sortir, aller sur le terrain se battre contre des empereurs. En effet, son statut d'amiral en chef, comme c'était le cas pour Sengoku, l'oblige à rester à New Marineford pour superviser les opérations. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu Sengoku en dehors de Marineford durant toute la première partie du manga. Du coup, tout cela frustre Akainu, mais surtout tous les lecteurs qui peuvent pas observer sa véritable puissance, faisant de Sakazuki, possédant d'ailleurs le fruit du magma, un véritable volcan prêt à rentrer en éruption. Et lorsqu'il explosera, plus rien ne pourra l'arrêter. Depuis Longrin Longland, Aokiji est un des personnages les plus complexes de One Piece. On sent qu'il a sa justice à lui, sa vérité, et qu'elle se confronte avec la marine depuis bien trop longtemps. Alors peut-être qu'au final, tout ce qu'il souhaite, c'est prouver au monde que le One Piece, que cette chasse au trésor, ne s'oppose pas forcément à la vision de la justice, et que peut-être découvrir le One Piece serait une bonne chose pour le monde. Big Mom est mort.
morte. Oui, l'impératrice Charlotte Lilin est morte. En tout cas, c'est ce que dit sa fille Charlotte Pudding. Mais est-ce que c'est seulement vrai? Alors, la présence de Pudding fait un peu de mal. Surtout dans ses paroles, lorsqu'elle dit que sa mère, si elle était toujours en vie et qu'elle serait sur place, elle leur botterait les fesses. Ça rappelle constamment le personnage de Big Mom, comme quelqu'un qui pourrait être menaçant. Et ça, l'idée de menace chez les empereurs, j'ai envie de dire, c'est un petit ras-le-bol quand même. De se dire, waouh, si Big Mom était là, elle vous ferait ça. Non, Big Mom, elle a été là une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, elle a rien fait. Donc Big Mom, elle serait là, elle aurait rien fait. Et en plus de ça, comment que, pardon, une confirmation que Big Mom, du coup, est morte? Est-ce que, en éveillant ses trois yeux, Charlotte Pudding connaîtrait la vérité? La vérité sur les empereurs de Schrödinger. Parce que, clairement, nous avons une fin de Wano Kuni avec une immense ambiguïté. Est-ce que Kaido et Big Mom sont décédés durant la bataille d'Onigashima? De mon côté, je reste dans le déni le plus total. Il est impossible que des empereurs de telles figures du Nouveau Monde s'effondrent de manière si mystérieuse. Eiichiro Oda a créé une ambiguïté qui nous empêche de savoir... Et d'empêche de dormir, okay. Est-ce que Kaido et Big Mom, dans leur lave, sont morts? Est-ce qu'ils nagent? Est-ce qu'ils dorment? Eiichiro Oda aurait pu le confirmer de bien des manières. Par le narrateur, en montrant une véritable mort, en montrant, j'en sais rien, comme Terminator, une main qui tombe dans la lave, comme Gollum, je ne sais pas, on n'a aucune indication de la part d'Eiichiro Oda sur la disparition de ces deux ogres, de ces deux anomalies du Nouveau Monde invincibles qui nous auront prouvé d'ailleurs que leur peau était impénétrable et que donc la lave serait totalement inefficace contre eux. La dernière attaque de Kaido, c'est s'entourer de lave. Du coup, dites-le nous en commentaire, est-ce que vous pensez que Pudding a raison ou est-ce que Pudding a tort? Est-ce que Big Mom et Kaido sont véritablement morts? Parce que quand on voit l'effet d'annonce de Barbe Blanche mort et le roman que fait le narrateur pour annoncer sa disparition, et quand on voit celle de Kaido et Big Mom qui sont juste une sorte de trait de crayon bizarre au fond d'une page, on a de quoi se poser des questions, d'autant plus que la famille Charlotte, c'est quand même un peu la spécialiste et des récidivistes pour nous dire des choses qui sont pas vraies. On se rappelle de la fin de Katakuri et Luffy. L'ensemble de Whole Cake Island avait crié Luffy a battu Katakuri, c'est affreux, Katakuri est mort et tout ça. Et en fait, au final, on avait appris que c'était Katakuri qui s'était laissé tomber. Alors, est-ce que finalement, on n'aurait pas la même chose vis-à-vis de Big Mom? Parce que les toutes dernières paroles de Charlotte Lilin lorsqu'elle se prend le coup de Trafalgar di Waterloo, est-ce que vous vous souvenez ce que c'était? Ouvrez les guillemets, ne pensez pas que vous allez me tuer avec ça. Alors, soit elle est pas morte, soit elle est morte, et c'est la honte d'avoir dit ça. Du coup, est-ce que l'auteur cherche à humilier encore plus ses empereurs en leur donnant une mort totalement anticlimatique à l'opposé de ce que souhaitait Kaido, qui voulait lui rentrer dans la légende en mourant? Ou bien est-ce que Pudding est une énorme mytho? Et si dans One Piece il y a bien une immense mytho, rappelez-vous, c'est Pudding. Alors de l'autre côté de l'arène, on a l'équipage de l'eau qui, dans ce diptyque, comme on l'avait prédit, continue le combat directement contre Barbe Noire. Alors la bonne surprise, c'est que mine de rien, bah, l'équipage de l'eau, très sympa, très fort, très sexy, hein. On a Pingouin et Orca qui, comme leur nom pouvait l'indiquer, sont très habiles dans l'eau. Alors ici, on a une ambiguïté encore plus terrible que la mort de Kaido, c'est est-ce que Orca et Pingouin sont bien un orque et un manchot? Parce que si c'est pas le cas, c'est très bizarre de pouvoir cracher de l'eau avec une telle puissance si on est un être humain. C'est d'ailleurs même du jamais vu dans One Piece. Mais par contre, si c'est le cas, c'est quand même très curieux de faire dire à deux personnages « Ouais, nous, on a l'habitude des eaux froides, etc. » Enfin, c'est pas ce que dirait un homme poisson. D'autant plus que les pirates de Barbe Noire, lorsqu'ils se font attaquer sous le navire, sont surpris en s'exclamant « Waouh, des humains plus forts dans la mer que sur terre, c'est très surprenant. » Du coup... Et enfin, Jean-Bart, l'énorme sang qui quand même tanque les attaques de Vanogur. Donc, mine de rien, bah, c'est assez polyvalent maintenant. On attend juste le Sulong de dépôt, par pitié. Mais alors, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le combat entre les deux capitaines qui, comme on vous le disait la semaine dernière, est bel et bien jusque-là un diptyque avec exactement les mêmes mécaniques que Barbe Noire contre Ace à l'époque sur Banalo. Alors que dans la première partie, nous avions les commandants qui affrontaient le capitaine, nous avons aujourd'hui un combat entre les deux capitaines avec le gentil qui a le dessus pour le moment sur Barbe Noire, parce que un combat de Barbe Noire ne serait pas un véritable combat de Barbe Noire sans Barbe Noire qui se roule par terre de douleur. Nous avons Marshall D. Teach qui tanque, comme il sait si bien faire, les attaques, parce que rappelez-vous, comme il est lui-même fait de ténèbres, il ne peut absolument pas esquiver et toute sa douleur est démultipliée. Du coup, comme avec Ace, l'eau a le dessus sur Barbe Noire uniquement parce que ce dernier n'utilise pas encore le Yami Yami no Mi, et c'est là où quand même on peut apercevoir la puissance du Ti. Barbe
noir rivalise avec un homme qui a 3 milliards de berries sans utiliser son véritable potentiel. Il arrive à tenir tête face à Law uniquement avec le Gula Gula no Mi. Et alors, le mec est une anomalie, il en a deux. Le combat s'arrête bien évidemment lorsque Marshall Dittich use du Yami Yami no Mi. Et c'est à ce moment-là précis, il y a 2 ans, que Port Ghazdi Ace avait perdu. Alors c'est sûr que c'est pas anodin hein, que pile quand il utilise son attaque, le combat s'achève ici parce que ça va absolument tout changer. Cependant, Law ici a quand même un avantage vis-à-vis de Port Ghazdi Ace, c'est que One Piece a un petit peu changé. Trafalgar D. Waterlow, c'est quand même un type qui a combattu 2 empereurs en même temps. Du coup, comme il nous l'avait montré lors du chapitre précédent, il sait très bien que le Haki peut renvoyer les pouvoirs de Fruit du Démon. Alors même si le Yami Yami no Mi est quand même très paradoxal dans sa démonstration, parce que son pouvoir est celui d'annuler les autres. Cependant, un pouvoir qui permet de faire ça reste avant tout un pouvoir. Alors peut-être que du Haki permet d'annuler ce pouvoir. Et ça nous ouvre à une question que je trouve très intéressante dans ce chapitre, c'est la confiance avec laquelle Marshall Dittich présente son équipage. C'est vrai que c'est quand même assez stupéfiant de constater que si quelqu'un tombe à l'eau chez Barbe Noire, c'est finito. Ils sont tous là à le regarder, désolé mon ref, tu vas mourir. Enfin, c'est quand même extrêmement risqué. Et ça correspond parfaitement au personnage un petit peu de gambler qui est Barbe Noire. C'est quelqu'un qui se dit, bah oui, je vais maxer les fruits du démon, quitte à prendre ce risque là. Et c'est d'ailleurs ce que dit Law, il dit quand même, frérot, c'est un peu louche. Et pour autant, Barbe Noire lui rétorque, non, ce n'est absolument que dalle face à tous les pouvoirs que ça peut apporter, c'est cela, les fruits du démon. Et c'est en désaccord total avec ce que disait pourtant Kaido, c'est cela la vraie puissance, c'est cela le haki. Quand on voit le personnage de Shanks qui lui a complètement, vous savez, maxé le haki à blinde à 100%, quand on voit Barbe Noire qui lui maxe les fruits du démon, je suis sûr et certain que les fruits du démon dans leur capacité nous ont pas tout dévoilé. On aura l'apothéose des fruits et de toute leur puissance, de tout leur mystère, grâce au personnage de Barbe Noire. Trafalgar Law, c'est un des personnages les plus intelligents et réfléchis de One Piece. Du coup, à l'inverse de Port Ghazdi Ace, lui pourrait réussir à contrecarrer le Yami Yami no Mi, du moins durant un temps. En gros, grâce au Haki, il arriverait à annuler les pouvoirs de Barbe Noire avant que Barbe Noire annule ses pouvoirs. Ainsi, la volonté d'Udi s'affronte à nouveau, et comme il y a 2 ans, elle risque de changer une nouvelle fois le monde. Comme le dit Akainu Sakazuki, amiral en chef de la marine, nous, lecteurs comme lui et le reste du monde, retenons notre souffle, en attendant une seule chose qui fera que plus rien ne sera comme avant, savoir qui, entre Trafalgar D. Waterlow et Marshall Dittich, sera le dernier debout.